Et bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, dans ce nouvel épisode de Final Fantasy VII Remake. Alors désolé, hein, y a eu des trous, je m'en excuse. J'ai fait quelques trucs à droite à gauche, et puis du coup, bah, il se trouve que voilà, hein, Goltor fatigué, Goltor pas tourné, Goltor est retard vidéo. Mais bon, hein, voilà, vous le savez déjà depuis un petit moment, si vous me suivez, vous savez que je n'ai pas une forme olympique, j'ai des soucis de santé qui font que des fois c'est compliqué. Enfin bref, là ça va mieux, donc let's go, on va tourner tout ça tranquillou bilou. C'est vrai qu'on avait trouvé, je m'en rappelle, Ace. On l'avait trouvé, on était tombé dans une église, sur un parterre de fleurs. Je m'en rappelle, lors de l'épisode précédent. Et on avait eu la chute amortie grâce à ça. Même si, bon, des fleurs, ça amortit pas vraiment. Mais on va faire comme si. Alors, effectivement, elle est là. La petite Aerith. Génial! Bon alors... Oui. Je me permets d'entrer, hein? Alors, je bois un petit café, désolé si je fais des bruits. Ça commence déjà, les emmerdes? Toi là, t'es putain, on dirait tellement Roxas. Attention, lui c'est mon garde du corps. Un soldat en plus. Hein? Un soldat? Ancien soldat. Comment ça? Il en a les yeux, en tout cas. Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein? T'es mercenaire. Hein? Mon intuition me trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord? Ouais, ok. D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose... un rendez-vous avec moi. Hein? Non mais c'est pas payé ça. Ah, t'es un vrai soldat alors. Et ton grade? Première classe. Tu veux me faire croire que t'es première classe? Elle est bien bonne. Et pourtant. Matou! Tu vois, Matou. Mes fleurs, faut pas marcher dessus. T'as entendu? Ce sera pas long. Y'a intérêt. Ok, ça va chier. C'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois. Tiens, c'est étrange. Pourquoi c'est exactement que vous m'avez protégé? Tiens. C'est une information confidentielle. Dans ce cas, c'est normal que je fasse chier. C'est quand tu veux. Meurs. Oh, les gardes, hein, elles sont tellement OP en version. Ailleurs! C'est fini pour toi. Vous autres, c'est votre tour d'intervenir! Alors, on se fait défoncer la chautron! On voit rien du tout. Oh, c'est vraiment affligeant. Enfin. À mon tour maintenant. Stylé. Je m'occupe de toi. Parade dans ta gueule. T'as peur ou quoi, monsieur le garde du corps? Je serai sans pitié. Alors tu disais quoi? J'ai pas mieux. Allez, viens. On dirait que t'as perdu ton arrogance de tout à l'heure. Non, non, ça va, regarde quand je te défonce ta race. Ça fait mal. C'est le moment d'en finir. Ah, en fait, à 50%, on pourrait rien lui faire. Il s'appelle Reno. Ok. T'es plutôt tenace, toi. Mais quelle que soit ma mission, j'y prends plaisir. Car je suis un vrai professionnel. Tu veux pas passer un moment électrique avec moi? Ah merde, j'étais pas en bravoure du soldat. Je voulais le parer. Je lui dis pourquoi ça marche pas. Fini de jouer maintenant. Mais putain, mais.
Tu commences à faiblir. Mais je comprends pas. Je suis encore debout. Adieu. J'ai fait ma transcendance, hein. Pas de chance pour toi. Ah, quand même. J'allais dire attends parce que c'est dégueulasse. C'est quand tu veux. Écoute-moi ça. Ah voilà. C'est parti. Ok. Allez viens. Vas-y, où est passé ton arrogance de tout à l'heure. Oh j'ai fait la... C'est pas vrai. Non. Non mais... Mais c'était... Ok. On va le faire différemment. Je vais arrêter d'essayer de bloquer. Je vais t'en foutre plein la gueule, utiliser les compétences et tout. Mais en fait, je voulais utiliser les contres de la bravoure de soldat. Quand on se met en protection, qui contre automatiquement. Ça marche dans la phase 1, mais pas dans la phase 2. C'est pas grave, je vais péter sa gueule quand même. Enfin là quand même c'était pas du juste, hein. Le soin, on a vu l'animation du soin, et je suis mort. C'était un petit peu, ouais, non. Génie. Ah yes, on peut. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois. Ça c'est étrange, pourquoi c'est exactement que vous m'avez protégé au juste? Ça, on y c'est va, une information confidentielle. Dans ce cas, c'est normal que je m'en sache. Adieu, oh. Ça marchera pas. Vous autres. Très bien. C'est votre tour d'intervenir. Allez, je vous attends. Bonjour. Oh, tu passes aux choses sérieuses. Merde. Adieu. Allez. Non. Ah non, c'est pas une cinématique ça. Je suis pas. Tu meurs, mais. À mon tour maintenant. Ça c'est ouf aussi quand même. Le jeu il est vraiment bien réussi hein, dans le sens où. Non, on peut pas. C'est que là c'est du jeu quoi. Dingue. Attention. J'arrêterai tout. Oh. Ah, ça a pas fonctionné là. Faisons autrement. Salaud. Allons-y. Fais attention à mes fleurs. Ça putain, mais il est chiant. T'as peur ou quoi, monsieur le garde du corps? Mais qu'est-ce que... Ça va aller vite. Eh bien. Mais putain, mais. Tu dirais que t'as perdu ton arrogance de tout à l'heure. Ah. Je serai sans pitié. J'arrêterai tout. C'est quand tu veux. Vas-y, attaque. Bim. Mais non. Pas de quartier. Je vais me lâcher. On va se soigner. C'est pas fini. T'es plus... T'es tenace, toi. Mais quelle que soit ma mission, j'y prends plaisir. Ouais, t'es ouais. Je suis un vrai professionnel. Tiens ta gueule. Tu vas passer un moment électrique avec moi. Vas-y, viens là. Viens. Puis on va la faire sur la... Je vais comme ça. Hein. Ça va faire une AOE de toute façon. Voilà. Pas de problème. Je dois me concentrer. Allez, viens. Où est passé ton arrogance de tout à l'heure? Ah. Mais d'où ça touche pas? D'accord. Éclair! Tu marches dessus là! Rien de plus jamais facile pour un soldat, non? Trop lent! Rien ne m'arrêtera!
Ah, oh, mais c'est pas vrai. Ça t'attend. Vas-y, attaque. Allez, passe en choc, voilà. Et je t'exécute. Bam! Oh putain, je l'ai pas analysé, par contre. C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais. Cloud, arrête! Chef, il vole. Chef, vous êtes blessé. C'est marrant de les voir se dire oh mon Dieu, ils volent. La paix. Allez plutôt à leur poursuite. Alors qu'ils ont des sorts de téléportation, l'hyper vitesse, la magie, les invocations, tout le bordel, et ils sont en mode mon Dieu, ils volent. Bah c'est pas plus bizarre que le reste, je trouve. C'est bizarre. Ils attaquent pas. Hey, ouvrez. Allons-y. Quelque chose en nous de Tennessee me dit qu'ils sont pas assez piques. Oh, 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 je veux. Hein? On dirait qu'ils nous barrent la route. On commence à m'emmerder. Ça bon. Les musiques sont vraiment cool, hein. De toute façon, on n'a pas 36 solutions, j'ai envie de dire. On peut y aller là ? Non. Mais qu'est-ce qui se passe ? D'accord. Ils veulent nous dire d'aller en haut ? Non, mais ils m'emmerdent ! Moi, je veux aller récupérer la matière orange ! Là-bas, elle permet d'accéder au comble. Ouais, on pourra sortir par le trou. Y'a personne, arrêtez de taper à la porte. La caméra, stop, stop, c'est bon, j'ai vu ton objectif, arrête de m'emmerder. Ah. Ouais, définitivement, ils sont amicaux, ça, là au moins... Empêcher de tomber. Filons. Ok, donc, c'est des gentils. C'est des antis. Oh, merci. Enfin, je peux y aller, là, dans un endroit. Un talisman. Par contre, c'est vraiment des raclures, c'est des gentils, oui, non, parce qu'ils m'empêchent quand même d'aller chercher un truc qui a l'air vachement intéressant. Oh, c'est ouvert. J'ai rien dit. Allez! Si ça se trouve, ils essaient de nous guider. Méfions-nous. Ils n'étaient pas là! C'est... Genre, je peux aller là? Non, il veut pas. C'est dégueu, ça. Bon, là, je peux pas y aller non plus, d'accord. Je passe en premier. Ah, ils y sont pas là-bas. Prends ma main. Je les vois pas! Ils sont là-haut! Non, tire pas! Hey, tu t'es fait mal? Ça va! Peut-être pas. N'avise pas de lui faire du mal, ou tu le paieras de ta vie. Pardon! On a besoin d'elle. Au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en! Ouais, il la protège, hein! Ne bouge pas! Je viens de te dire de pas tirer! Oui, mais... Eh ben, tu la maîtrises, ça va! Je peux faire tomber ça. Ok, je peux faire tomber ça. Mais moi, je voudrais descendre pour récupérer le... le trésor. C'est trop pas du juste. Le jeu, il m'empêche de récupérer mes... C'est faisable. Qu'est-ce qui t'arrive? Je peux pas m'approcher. C'est quoi? Une sorte de sort? Ah, par là. Ok, d'accord. J'ai compris. Sacré forme physique, le Cloud.
Non mais là-bas, j'ai dit. Voilà. Vas-y. Attends. Aïe aïe. Ok. Ils sont là-haut. Quoi? Je vais te faire la peau. Ouais bah 2 secondes hein. Putain mais je comprends pas, il y a des marqueurs dans tous les sens. Tu l'auras voulu. Putain c'est pas pratique hein. Tout droit j'ai dit, s'il te plaît Cloud. Tu vas mourir. Tiens. Heureusement qu'ils ont des pistolets nerfs hein. Parce que si c'était des vraies balles, je serais mort 10 fois. C'est bon? C'est bon. Ouah, c'était chiant. Il faut se dépêcher. Tout est bloqué partout, c'est trop chiant. Non mais je veux pas moi. Oh, on n'a pas le choix. Ils se sont enfuis sous le toit. On les suit? Non, on s'en va. Vous êtes sûr? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Ah putain. Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance. Ouais ouais, reste près de moi. Oh non, on peut pas descendre, mais putain. J'espère que j'ai rien raté hein. J'ai vraiment l'impression que j'ai raté le... La materia, ça fait chier de dingue. Parce qu'elle était en or, hein. Flacon à sel. Là-bas. Sortons. Ça conduira là-bas. Nous allons nous replier. Ils ont laissé tomber. Ouais, barrez-vous, ouais. C'est bon, ça va la caméra, s'il te plaît. Non? Ouais, toujours plus. Ils ouais, mais là, à l'envers, ouais. Ils sont partis. C'est quoi ces choses? À mon avis. Non, en fait, je n'en sais rien. Vite, partons. Quelque chose me dit que t'es au courant, toi. Dis, j'aimerais qu'on passe par les toits. Regarde, tu vois le pilier là-bas? À côté, c'est la gare. Cloud, allons-y. Ok. Ok. Eh bien, allons-y. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Pour l'instant, je suis ton garde du corps. J'ai failli oublier. Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. Tu connais le chemin? Tu es sûr? Ouais. J'ai des doutes. Oh, commence pas à m'emmerder, hein. Attention, moi c'est Jesse Forever. Le type de tout à l'heure, c'était un des Turcs de la compagnie Shinra. Un Turc? Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir? C'est quoi un Turc? Aucune idée. Dis, les Turcs. Ils recrutent bien les futurs soldats, non? Ah. C'est qu'une infime partie de leur travail. Ils font bien plus que ça. Ils sont impliqués dans plein de choses. Ils recourent souvent à l'intimidation. Extorsion, enlèvement... C'est vraiment pas sympa. Revenons plutôt à ma question. Quels sont tes liens avec ce Turc? Vous aviez l'air de vous connaître. Disons que si ça se trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. Ouais, tu vas te calmer, hein. Parce que ça m'étonnerait. Bah alors, t'es fâché? Elle nous dit pas tout, hein. Parce que ces esprits-là, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle les a à côté d'elle. À un moment donné, elle a voulu nous dire un truc, puis elle a fait... Ouais, non, laisse tomber. Et là, c'est pareil, j'avais pourquoi les gens... J'avais jamais fait ça. Je veux dire, de passer par les toits. D'habitude, les gens font pas ben ça. Bah oui, les gens sont civilisés, hein. Je trouve ça un peu grisant. Ouais, la première fois.
ou des petits oiseaux. Attends, mais attends-moi. Oh là là. Allez. Voilà, c'est bien. Et ben pour une future soldat, t'as intérêt. Tout seul devant, sans même regarder si je te suis. Exactement. Bah alors, je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. Ah bah tiens. C'est méchant. C'est tellement vrai en même temps. Ah oui, voilà, j'allais dire, il y a l'air d'avoir un truc par là-bas. Un été. Bouge de là. Pip, 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 bouge de là. On dirait que tout le monde a déserté les environs. Oui, personne ne nous grondera, rassure-toi. Oh le bordel, il y a des déchets partout, elle c'est abusé. Abîmée, cette échelle. Je vais monter en premier. Voilà. C'est pas très stable. Fais attention. Oui, chef. Doucement. Ne t'inquiète pas comme ça. Je ne suis pas une princesse en détresse, tu sais. Oh non. Alors. Elle a la force quand même pour se tenir à un bras comme ça. J'ai vraiment eu la frousse. Tu m'as sauvé, Cloud. Oh, regarde, la muraille. Quoi, la muraille? Tu sais, j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois. Oh! Mais bon, en fin de compte, j'y ai renoncé. C'est vrai que c'est dangereux. J'aimerais bien au y aller. Au dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai? Ah bah justement. Ça m'attire, mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre. J'y pense un peu parfois. Ce paysage, en fait, je m'y suis habituée. Le bidonville est un endroit attachant. Les gens sont courageux et pleins de vie. Parfois, ça se ressent tellement que ça me donne le sourire. Ok, bah tant mieux, tant mieux. Ça fait un peu pimbèche à mon goût, mais bon. On va faire genre, voilà quoi. Ça va, elle est pas trop, mais j'aime pas les personnages ultra niais. Cette fois, c'est moi qui passe devant. Dit-il alors qu'il autrement, préfère le Final Fantasy X aux autres, mais bon. T'es bref. Sûr de toi? Parce que Yuna, oui, c'est oui, pas un prototype de la de l'assurance et autres, mais. Tiens, regarde, peut-être que je devrais te laisser là et partir devant toute seule. Allez, salut. Tu ferais surtout mieux de pas parler. Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens, je t'écoute. Bon, avance. C'est pas mon boulot. Méchant. Tu oui. Tu vois? Me donne pas plus de travail. Ouais, non, ça va. Elle est quand même plus ou moins ok, mais pour l'instant, elle fait très niaise, quoi. On va s'amuser. Mais. Oui. Et c'est un des problèmes que j'avais ressenti sur Final Fantasy X, parce que même si je l'adore de dingue, Yuna elle est sacrément en forme quoi quand même, trop même, mais bon. Et Tidus, j'en parle même pas. Tu peux sauter? Oui, bien sûr. Bon après à côté il y a des personnages qui ont un charisme de dingue et une histoire de folie, donc ça compense. Je te remercie. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. C'est un compliment. C'est une raillerie. Va falloir t'habituer. Ajoute dans l'équipe Aerith Gains... Quoi ? Gainsbourg ? J'ai bien lu. Gainsbourg. Ah ok, putain, j'ai dit... Désolé, hein, mesdames et messieurs, j'ai cru que c'était Gainsbourg. Je me suis dit, comment ça, Gainsbourg? Allez, t'auras le chocobo, toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a prière. Restauration de PV minime. Glace, vision. Permis d'utiliser la transcendance vision. Ok, ça a l'air d'être énervé. Je sais pas ce que c'est, mais... Tu veux utiliser magie augmentée? T'en as besoin. Équipement. Qu'est-ce qu'elle a?
crée un saut magique au sol permettant de lancer deux fois de suite un sort offensif. Activez l'effet de saut sacré une seule fois pendant l'effet. D'accord. Le bracelet en mithril. Ouais. Très très bien, du coup, de matériel, qu'est-ce que tu veux de mieux? On va lui donner un truc, oui, voilà, qui augmente la magie. L'esprit. Non, la magie, je dirais. Putain, immunise contre l'altération d'état poison en combat, putain, c'est fort ça. I am a superstar. Non, on va mettre. Ouais, ça, la magie. La gare du bidonville. Attendez, voyons les rapports de combat. Non, c'est bon, c'est terminé. On n'aura plus qu'à les récupérer. Mais malheureusement, pour ceux qui passent par là, il y a des créatures dangereuses. Mais. Eh ben, tout à fait. Ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. C'est que des créatures urbaines. Oh. Y a pas de quoi s'inquiéter. On n'a jamais l'occasion d'aller où on veut dans le jeu. C'est très frustrant. Désolé, hein. Mais. Il est très bien, j'aime beaucoup. Garde ton sang-froid. Possédant des facultés innées, Iris est particulièrement douée pour les attaques magiques et pour apporter du soutien à ses camarades. Maintenir la touche X appuyée permet de lancer une série d'attaques magiques avec son bâton. Avec ses attaques continues, elle est capable de frapper plusieurs ennemis tout autour d'elle. D'accord. Je vais te montrer ce que je sais faire. Hein. Et le dernier. Allez. Stylé. Bon, on va mettre son sacré, hein. Vol. Et du coup, sors, glace dans ta gueule. Avoir ta tête, tu as l'air vraiment fier de toi. J'aime bien son gameplay. Ça me plaît. Ça, par contre, c'est très très bien fait aussi. Hein. Non, mais il y a vraiment beaucoup de points positifs de toute façon dans Final Fantasy. Sinon, j'y jouerai pas. Hein, déjà, je me ferais pas chier à jouer à un jeu que j'aime pas. C'est que les personnages ont vraiment des gameplays différents. Et ça, c'est agréable. C'est hyper agréable, même. C'est okay. Super cool. Ah, oh, bah ça fait plaisir. Ah non, parce que j'ai pas un. Et voilà. Doublons les sorts. Ok, sort, glace, dans ta gueule. Tu veux un glaçon? Ah oui, là on balance deux du coup. Maintenir Y appuyé permet de concentrer l'énergie magique pour lancer sa puissante attaque tempête. Une fois la touche relâchée. Varie en fonction du temps passe à accumuler l'énergie. À vous de choisir. Concentrez moins d'énergie fréquemment. Beaucoup d'énergie. Tu ne souffriras plus. Exemple. C'est fini. Dis, Cloud, tu ne connais pas très bien le bidonville, n'est-ce pas? Quand même. L'entraînement, la caserne, le combat. C'est tout ce qui existe dans mon monde. Je rêve ou tu te la joues un peu? Bah pas vraiment, parce que c'est pas forcément la méga joie non plus, hein. Pramp, pramp. Oh, j'entends un hélico. C'est ça la gare. J'aurais deviné tout seul. Ah bon? Je croyais que ça n'existait pas dans ton monde à toi. Saleté. Bien joué. Bien joué, bien joué en vrai. Les efforts que ça nous a coûté pour bâtir ce réacteur Mako. Qui aurait pu imaginer que ça arriverait? Je vous en prie, gardez votre calme. Hey, mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, regarde. Du calme, reste sage s'il te plaît. Il y a du monde ici. C'est un bon endroit si on veut voir le réacteur. Regarde. Oh. Du coup, il va péter ou il a pété ou encore plus que ce qui s'est. Il est vraiment en train de brûler. Et ça les amuse. Mais non, ils sont inquiets surtout. Iris, t'es venue voir toi aussi? Hein? En quelque sorte. Ah, oh, t'es encore allée à l'église? Oui, peut-être. Je suis contente de voir que tu n'as rien. Y a pas eu de chute de débris là-bas? Non, ça va, pas de débris. Il y a eu des chutes d'humains, mais tout va bien. Il y a eu des chutes de blonds aux yeux bleus. Oh, je t'éclate. On remarque, hein. Il y a plein de personnes à... que ça intéresserait d'avoir des chutes de blonds aux yeux bleus. Alors. Cade System. Qu'est-ce qu'ils vendent? J'ai de tout déjà. Donc,
J'aimerais bien prendre une PV augmentée. Quoique non, ça vaut cher, ça vaut chier. Rien acheté. Qu'est-ce qu'on pourrait vendre? Baiser de la jouvencelle. Oh! Soda Rémi, giga bombe. Ça vaut que 1? Putain, mais c'est vraiment du vol. C'est du vol, c'est du vol. Bon, je vends rien pour l'instant, écoutez. Dans le doute, on s'abstient. Hop! Let's go! C'est merveilleux parfum, c'est vraiment. Il veut des boulettes de viande. Hein? Attends. La zone est dégagée. Parez! Déploiement! Let's go, ça va chier. Regroupement! Ils sont bien équipés quand même à la Shinra. Monsieur propre. Ah, mais c'est le collègue dont l'autre il nous avait parlé. On y va. Oh, il a classe. Bon, attention les costards, hein, tout de suite, hein, ça donne de la classe évidemment sur les gens. Ils sont bien taillés, les costards en plus. Et les personnes qui les portent. C'est un des Turcs. Ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils tiennent vraiment à attraper leur proie. Qui ça, moi ou bien toi? Que ce soit toi ou moi, il faut éviter qu'ils nous repèrent. Alors, entends. On n'a qu'à passer par derrière. Mais par là, il y a des bêtes. Je préfère ça à la Shinra. Le mec qui dit ouais, ils cherchent vraiment à attraper leur proie. Bah c'est pas comme s'ils avaient que ça à foutre. Venez manger nos boulettes de viande spéciale. Allez, putain. Tu pénètres carrément dans un univers gustatif inimaginable. Crois-moi. Je voulais aller voir s'il y avait des trucs à fouiller en fait. Comme d'habitude, en fait, à chaque fois que je vais dans un autre sens, c'est pas pour faire chier le jeu et dire ouais. Parce qu'après, il y en a plein qui vont dire Goldor, tu fais exprès aussi. Mais non, j'explore. Les gens du bidonville s'aventurent rarement plus loin que l'entrée. C'est l'endroit parfait pour se cacher. On peut pas vraiment explorer dans le jeu. Bon, j'imagine plus tard. Attendant que personne n'y vienne. À mon tour, c'est ça. Matou. Compétence. Saut sacré. Essayons avec ça. Matou, sort, classe, dans ta gueule. C'est pas hop là, courage. Hop là, bonus de maîtrise obtenu. Et le dernier. Compétence, on va refaire un saut sacré. Double en essor. Tu veux un glaçon? Voilà, compétence apprise. Deux secondes. Ça fait des dégâts sur la durée ou pas? Ah ouais! Elles surgissent vraiment de nulle part, ces créatures. Putain, c'est vénère! En vrai, ce qu'elle a comme. Donc c'est bon, elle a récupéré le sort. Dur. Ce sont des prédateurs. Elles cherchent des proies faciles. Oh. Dans ce cas, Cloud, tu devrais te méfier. Saleté, va. Hein? Ah non, mais. Je compte sur toi. J'arrive! Ça te plaît? Ah bah d'accord, tout le monde est. Je m'en charge. Terminé. Gain de niveau de matériel, chance! Excellent! Par là, c'est un cul-de-sac. Eh ben tant mieux. Apparemment, ils ont abandonné les travaux ici. Qui dit cul-de-sac dit trésor. Pas. Non mais vraiment. On a rien, sans déconner. Rien de rien de rien de rien de... Une merdouille de valeur, une pièce de bronze, quelque chose. Non, The Geek. Bon. Eh bien, tant pis. C'est par ici. Tant pis. Par ici. Là? Par là? Mais qui est ce par là? Où est-elle? Voilà. Là? Ah oui! Bien vu! Non mais. Oh putain, j'ai lâché la touche comme un connard.
Ça n'a pas l'air d'ouvrir. C'est peut-être cassé. Si je me souviens bien, en suivant le chemin, on doit pouvoir faire le tour. Ah bah tiens, j'avais raison. C'était par là qu'il fallait aller. Tu crois que tu pourrais déplacer ce conteneur? Je le savais. Non, pas du tout. Mais on va faire genre que je le savais. Ah, c'est parfait. Vous êtes vraiment des feignasses, hein. Parce que là, vous pouvez monter par-dessus ça tranquille, hein. Mais bon. Mais bon, mais bon. Ça fait très musique de Fort Boyard, par contre, cette musique-là. Ah, des médailles Mog. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Enfin, si, on sait, mais on n'a pas toujours pas trouvé Benji. Mais voilà. Un jour. Ça va faire mal. Ça dégage. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Elle ne commence pas par la proie facile. Justement, si. Mais c'est par là, par là. Ah non. C'est pour un trésor. Allez. Et qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ramasser une boîte, hein? Un bracelet ténébreux. Oh mon dieu, ça fait peur. Dans les ténèbres nocturnes de la noirceur de la pénombre de la nuit. Regarde, là-bas, c'est le centre du bidonville. Mmh. On a encore du chemin. Il faut dire qu'on a fait un détour aussi. Tu es fatigué? Tu rigoles? Eh bien moi, ça m'a creusé l'estomac tout ça. Pas toi? On a d'autres soucis. T'inquiète, on va chez moi, je t'invite à manger. J'aurai pas le temps pour ça. C'est ma mère qui cuisine, elle est très douée. Allez, tu ne peux pas refuser. Dépêchons-nous d'y aller et de nous mettre à table. Vous êtes vraiment des forceuses, hein, les filles, dans ce jeu, hein, sans déconner. Je veux pas venir. Ok. Eh bien, tu bosses pour moi, t'as un rendez-vous comme paiement, et tu viens manger à la maison et je te présente ma mère. Alors, je viens de dire. À l'instant que j'ai pas envie. Commencez à me gonfler avec vos histoires. Tout le monde propose des rancards, là. Laisse, je m'en occupe. Ah non, quand même pas. C'est pas trop sympa. Ouais, c'est pas trop sympa, tiens. Ça suffit. Ça t'est pas si dur. Enfin, c'était pas si dur parce que je t'ai sauvé le fion, hein. Ah, un trésor ou... Ou rien à voir. Je sais pas où je suis, ni où je vais. Ni ce que je fais à l'aide. Y'a rien. D'accord. Y'a beaucoup d'endroits vides, hein. Je pense que plus tard on pourra y retourner. J'espère. Avec genre, vous savez, des missions spéciales ou des trucs comme ça. Je sais pas trop comment il fonctionne ce jeu, je vous ai dit, hein. Les seuls trucs que j'ai pu voir sur Final Fantasy VII, c'était des speedruns, mais de la version... comment dire... la version PlayStation, donc voilà quoi. Eh ! Ah oui, voilà, parce que j'allais dire, attends, te fous pas de ma gueule. Un remède, putain, tout ça pour ça.
Et donc je disais ouais, des missions spéciales à la Final Fantasy XII peut-être. Oh. Des grandes portes en or. Oh putain. Oh. Oh. Oh, il y a des trésors partout. Oh, il y a une materia en or. Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre comme le genre de foot quoi. Je sais qu'il s'appelle pas Jean, mais c'est pas grave. Bon. Oh, ça a bougé. Que ceci. Il aurait mieux fait de rester immobile. Fumifacturier. Il va falloir que je mette le... comment ça s'appelle ? La materia d'analyse parce que là... On y va à fond. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Feu, soin... On va enlever bénéfice. On va mettre analyse. Ah oui. Ça va, Eris ? T'aurais pas... j'adore ce jeu. T'aurais pas pris une explosion dans ta gueule. On peut peut-être l'ouvrir de ce côté-ci. J'ai pas envie de l'ouvrir. Quoi ? Laisse, je m'en occupe. Ah non, quand même pas. Ça, on les avait. Je sais même pas si on les avait. Ça va te calmer. Élus domiciliés dans les bidonvilles, sont aventurés dans Midgard pour y trouver de la nourriture et pullulent depuis. Ils attaquent avec les ébines qu'ils ont sur le dos et des sorts de magie. Augmenter la jauge de choc, d'accord. Je sais même plus si on les avait déjà fait ou pas. C'est fini pour toi. Alors attendez, parce sinon, que là. Ça s'arrête. Faut que j'aille là, donc non. Ça c'est une mission secondaire ça. Les points bleus là comme ça. La porte bloquée, terminée. On était sérieux? On a juste... Oh, putain. Ça sert à rien. J'ai pépé. Ça va aller vite. Pas encore. Surtout si je pèse, n'est-ce pas? Adieu. J'ai même pas forcé. Donc faut aller là-bas. Ça, ça nous permet de passer là, j'imagine. Récupérer un trésor. Un tesoro. Ouais. Ah merde. Fallait faire. Merci. Tu es vraiment efficace. D'accord, c'est ce qu'il fallait faire. Je croyais que c'était pour un trésor, mais pas du tout. Ça y est, mission accomplie. Pas de problème. Mais n'oublie pas ma récompense. Mmh. Tu es en train d'en profiter. Mmh. Mmh. Ah. C'est verrouillé.
À moi. Nous sommes en sécurité à partir d'ici. N'oublie pas les Turcs. Oh. Ouais, j'imagine qu'on va tomber dessus, forcément. À tout moment. Mieux vaut ouvrir l'œil. Ils vont bloquer la route. Il y a quelque chose qui te tracasse. C'était sûr. J'arrive pas à m'habituer au bidonville. Tiens. Oh, je sommeille. J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant. Allez, vous êtes prêts à en voir plein les oreilles avec tout le monde qui parle en même temps ? Let's go. 5 est par là. Qu'est-ce qui se passe ? Mais depuis qu'il y a eu cette coupure de courant, mon grand-père est à fond à cause de cette histoire d'avalanche. On l'arrête plus. Viens voir par ici. 2 secondes. Putain, je peux poser mon cul sur un banc sans que... Voilà. Oh. Moi aussi, j'aurais voulu aller voir. Compte pas sur moi si j'avais pu faire. Il passe ses journées à nous rabâcher. Ça va, j'ai compris. Même ça. Il y a une petite musique. Je vais essayer de la... Nous sommes en direct à l'intérieur du réacteur Mako numéro 5. Ah. Comme vous pouvez le constater, il se dégage encore beaucoup de fumée. Nous voyons ici une passerelle en partie effondrée. Tout ce qu'ils veulent, c'est recommencer. Cependant, les foyers d'incendie semblent maîtrisés. Peut avoir une récompense ou pas? Pardon. Jamais. Vous êtes bien la directrice du département pas de l'armement, n'est-ce pas? Tu vas nous porter malheur, imbécile. Permettez-vous que je vous pose quelques questions. Plus tard. Leurs cibles, ce sont les réacteurs Mako. Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur? Fermez-la autour, putain. Pourriez-vous nous éclairer un peu? Très bien. Ah, il m'a entendu, on dirait. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Ces images sont issues des enregistrements du premier attentat. On y voit des terroristes du groupe Avalanche. Nous pensons qu'ils se cachent encore quelque part dans Midgar. Justement. Ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier. Devrions-nous nous inquiéter pour la Shinra? Qu'insinuez-vous donc par là? Rien, c'est que... Il n'y a pas de quoi s'affoler. La Shinra ne se laissera pas ébranler par si peu. Sacré vue, hein. C'est marrant parce que la tenue de travail, c'est des robes de soirée pour la plupart des femmes. Cloud, partez. Bientôt ce sera... les collants et la petite tenue. Hein ? Il faut qu'on se tienne prêt à se battre nous aussi. Oui, c'est ma tenue de travail, je vois pas ce qui vous fait. Franchement, normal, hein. Tu tombes bien, t'as 2 minutes pour m'aider ? Non. Vous m'avez l'air débordé. Ouais, je m'en sors plus avec les trains arrêtés. S'il te plaît. Désolé, je suis pressé. T'as pas l'air d'être vraiment. En train d'en chier. Je hein. lui donne un petit coup de main de temps en temps. Tout le monde se touche, même en cuisine. Hé hey, mais qu'est-ce que tu fabriques encore perché là-haut? Je voulais juste voir le réacteur Mako. C'est qui lui? C'est un mercenaire qui s'appelle Cloud. Et pour le moment, c'est mon garde du corps. Lui, c'est Oats. Oats, ok. Bon bah, à plus. C'est ça. Vous devriez vous entendre. Ou pas. C'est pas trop l'habitude de Cloud de faire copain-copain avec des gens, et encore moins avec des gamins, oh, je pense. Iris, dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici? On est allé voir le réacteur Mako. À propos, la maîtresse nous a dit qu'elle te cherchait, Iris. Ah bon? Pourquoi? Elle voudrait que tu viennes la voir à la maison Feuillue. Dans ce cas, allons-y tous ensemble. La maison Feuillue, c'est un établissement où sont recueillis les enfants qui n'ont plus de famille. Dis, où est-ce que t'étais passé? T'étais à l'église? La prochaine fois, tu nous emmèneras avec toi? Hé, hey, salut Iris. Tu as toujours autant la cote? Oui, ils me donnent un peu de leur énergie. Oui, il en faut tous les jours. Ah, au fait, je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois. De rien, c'est toujours un plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer. Ça, c'est mon petit secret. C'est qui, lui? C'est mon garde du corps. Il me raccompagne chez moi. T'es sûr qu'il n'est pas dangereux? Vous avez appris la politesse, bande de connards? Non mais les gens, sérieux, c'est qui, lui? C'est qui, lui? C'est le médecin c'est qui, lui?
Je lui apporte des plantes médicinales. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Oh non, mais je vais pas pouvoir aller le chercher. Ouais, c'est pas la peine, c'est bon, déjà je marche. À deux à l'heure. Et voilà la maison Feuillu. Mais un petit peu de politesse quand même. Ah, vous voilà. Maîtresse, on a ramené Iris avec nous. Excuse-moi de t'avoir fait venir. Aucun souci, c'était sur mon chemin. En fait, je voudrais te demander de nous apporter des fleurs. Je m'en occupe. T'en veux combien? Plutôt beaucoup. Tu sais, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment, je pensais nous divertir en décorant la maison tous ensemble. C'est génial! J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est l'heure de se laver les mains. Ah, il y a une heure pour se laver les mains. D'accord. Eh bien, bon lavage de mains. Pour les fleurs, je compte sur toi. Comment ça, tu comptes sur moi pour les fleurs? Iris a la gentillesse de venir jouer souvent avec les enfants. J'imagine que tu es un ami d'Iris. Vous avez changé de doubleuse, non? Voyons, comment allons-nous pouvoir décorer la maison? Iris a la gentillesse de venir jouer souvent. J'imagine que tu es un ami pour les fleurs, je compte sur toi. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont changé de doubleuse entre-temps. Bon, ça arrive très très souvent. Sur des jeux où il y a énormément de lignes de dialogue, notamment par exemple les Elder Scrolls, ça arrive que les personnages ils sont en mode « Salut, je viens t'aider !» Et toi, pour ça, il faudrait que tu ailles combattre le géant là-bas. Et après, je te donnerai ta récompense. Mmh. C'est bizarre la voix. En tant que fleuriste, ça me fait de la peine. Je vais pas te mentir. À propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi? J'ai donné à une... Tu l'as offerte à quelqu'un? Ouais. Hein? Je peux savoir à qui? Non. J'ai oublié. quoi? C'est vrai, ce mensonge? Bon, lâchez-moi la grappe. C'est pas grave. Et ouais, donc je disais, du coup, comme il y a beaucoup de dialogues, ben entre-temps, ça arrive que les... qu'il y ait d'autres personnes qui sont recrutées pour faire les autres voix ou des lignes de texte qui se chevauchent des fois entre certains dialogues, donc... Ma maison est un peu plus loin au bout de ce chemin. Ma mère doit y être. Je vais te la présenter. Il y a un sacré paquet de doublage quand même, hein. Oh putain, mais par contre, c'est vraiment légende en jeu. Tu veux sortir avec moi? Non. Tu veux sortir avec moi? Tu veux sortir avec moi? Tu veux sortir? Non, c'est non, non, non. C'est là que j'habite. Ok. C'est superbe. Je te présente ma mère. Bon, en tout cas, c'est joli, hein. Putain, le taf que tu dois avoir, ça, pour entretenir toutes ces fleurs. Entre. Je suis rentrée. Ah, te voilà. Elmira. Rude est passé un peu plus tôt. Il voulait te voir. Bonjour madame. Je te présente ma mère, Elmira. Maman, voici Cloud. C'est mon garde du corps. Oh. Merci de l'avoir escorté. C'est mon travail. Pourquoi elle aurait besoin d'un garde du corps? Ma mission est terminée. Oui, je te remercie. Au fait, tu veux aller au secteur 7, pas vrai? Ouais. Alors, je t'y conduis. Je t'ai accompagné ici pour rien alors. Et si jamais on tombe sur les Turcs? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude. Pour tout te dire, c'est plutôt toi qui m'inquiète. Tu pourrais te perdre tout seul. Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide. Tu ferais le fier, c'est pas vrai? Tu prétends me connaître, mais... Maman? Je ressors. Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7. Vraiment? Et que dirais-tu de faire ça demain, plutôt? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard. Mieux vaut que vous restiez ici ce soir, pour y aller plus tôt demain matin. Comme ça, vous arriverez là-bas à midi. C'est vrai. Cloud, ça te va? Sérieux? J'oubliais. À la maison Feuillu, on m'a passé une commande pour des fleurs. Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner. Cloud va m'aider? C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu veux te plaindre, t'es sûr? Pourtant, t'as une super récompense, non? Tiens, maman, devine. D'accord. Je vais chercher des paniers. Donne-moi une minute. Oh, mais putain, mais quelle forceuse! Sacrée Aéris. Elle a vraiment la bougeotte, n'est-ce pas? C'est moins qu'on peut se dire, ouais. Dis-moi. Non, c'est rien. De quoi? Tu te demandes pourquoi ta fille a besoin d'un garde du corps? Normal. J'aurais pas dit mieux. Bon. Y'a des trucs dans le frigo à manger, là? Ça sert comme s'il était chez lui. Bon, après, en même temps, hein, je serais la mère. Enfin, je sais pas, moi, ça me paraît bizarre qu'elle arrive et dit « Ouais, c'est mon garde du corps ».
Comment ça, ton garde du corps, ton petit ami, dis-le tout court, non? Parce que garde du corps, ça fait bizarre quand même. T'as des soucis, ça va mal, enfin. Où est-ce que j'ai pu les mettre? Ah, mais elle est là. Qu'est-ce qu'elles sont belles les musiques par contre. Aïe aïe aïe. C'est mon garde du corps et il me surveille de très 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 près. Même quand je dors en fait. Il faut qu'il dorme à côté de moi pour me surveiller. C'est ton petit copain plutôt. Ouais bon d'accord. Bon, qu'est-ce que je dois faire en fait parce que... Je les ai trouvés. Ah d'accord, il faudrait que je monte et que je descende. Tiens, pour toi. Hein? Oh. Tiens. Oh. Allez, c'est parti. Cloud en ramasseur de fleurs, putain on aura tout vu hein. Suis-moi. Je vais te montrer mon beau jardin. Mon beau jardin, roi des... Je commence à mélanger les chansons. Bon. Putain, la taille du truc. Alors, à ton avis, lesquels leur feraient plaisir? M'en fous. N'importe lesquels. Fais un petit effort quand même. Allez, choisis. M'en fous. Choisissez les fleurs que vous souhaitez apporter à la maison feuillue. Aux abords d'une parcelle, appuyez sur Y pour cueillir des fleurs qui poussent. Notez que la couleur des fleurs choisies influera sur la décoration de la maison feuillue. Ça, c'est comme très bien, celle ça. Que je t'ai donnée. Ouais, ouais, parfaite. Tiens donc. Alors, en fait, elles t'avaient plu? Exactement, c'est mes préférées. C'est pas du tout parce que c'est les plus proches. Voilà. C'est bon? On a terminé? Il en faudrait un peu plus. Dis, qu'est-ce que tu choisis? Ah bah, les mêmes, hein. Rien à foutre. Mais genre complet quoi. C'est bon pour rentrer? Ils ont dit qu'ils en voulaient beaucoup. Ah bah, bah, alors on va en emporter en donner un peu beaucoup. Plus. Désolé hein, mais je veux faire autre chose que fleuriste hein. Je veux invoquer des super invoques là, enfin faire apparaître des ifrites, des carbuncles, ce genre de trucs, des shivas, je ne sais quoi. Le reste, autant dire que je m'en branle un peu quoi. J'ai envie d'explorer, tabasser des trucs, monter en level, faire des... Voilà, ce genre de choses. Pas la peine de te presser. Fais plutôt attention aux fleurs. Ouais. Je suis pas fait pour ce genre de travail. Exactement. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis sûre que tu vas faire sensation. Donc en donnant des fleurs. Attention, à ton avis, comment ils vont les arranger, ces fleurs? Je sais pas. On ira voir ça après. Putain, mec. Pose des questions comme ça à Cloud. Attention, ils vont même pas me remercier. Ils vont te dire merci Aerys, c'est trop gentil. Franchement, t'es la meilleure. Et moi? Non mais toi ta gueule. J'ai vraiment hâte que la nuit tombe. Et voilà, de toute façon je peux pas. Et voilà, c'est ça. De toute façon je peux pas récupérer la musique. Je vais oublier hein. Moi, je vais attendre ici. Oui, si tu veux. Mais tu risques de t'ennuyer. Ah yes. Pour visiter un peu. Yes. Yes. Yes! Libertad! Merci, enfin! Alors, j'ai entendu de la musique par là. Là. Non, par là. On va le céder. Dis-moi, tu as déjà entendu parler de cet endroit? Quand j'étais jeune à l'époque des Ents et des Elfes. Tango of Tears. Oh! Stylé. Putain, qu'est-ce que j'aimerais vous foutre l'épée dans la bouche pour que vous la fermiez. Je suis venu à Midgard dans ma jeunesse. J'en ai rien à foutre. Vraiment. Et hop. Alors. Niveau exploration. On a des trucs là-bas. Boutique de matéria. D'accord. La nouvelle... Maman, c'est vous. Si vous avez faim, je vais les manger ici. À la milice. C'était où? C'était par là ou sinon? Je suis tout à fait sûr. Non, par là.
J'ai entendu la musique par là, non, il me semble. Rebut comme matériel, on trouve vraiment tout dans ce bidonville. Il suffit de savoir où chercher. Putain, t'as des beaux cristaux. Putain, les cristaux, d'ailleurs, moi j'adore ça, mais le prix que ça coûte. Mon Dieu. En vrai, hein, je parle. Hein. Costa del Sol. Pour ceux qui aiment un petit peu ça et qui un jour se sont renseignés sur les prix des cristaux. Putain, mais des fois, t'as des géodes énormes, là. Tu les payes 800 balles. Là, tu dis, non, mais vous avez fumé, monsieur. C'est de la décoration. Oh, tiens, oui, toi. J'ai pas d'autre choix. Ah, Cloud. Je ne voudrais pas vous déranger, mais... J'aimerais vous demander de m'aider. Mais bien sûr, Châtelet. T'inquiète. À moi, les matérias. À moi. Turbo ATB. Oh. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Attaque anticipée. Augmente un peu le remplissage de la jauge ATB en début de combat. 5000 balles. Ah oui. Ça va, tu te fais pas chier, hein, mon cochon. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. Ah ben vendu. Vous voilà. J'ai une chose importante à vous dire. Oui. J'ai mis au point une théorie de synthèse de matériel d'invocation. Chose que l'on croyait jusqu'à présent impossible. Une découverte de la plus haute importance. Elle réfute l'hypothèse selon laquelle les matériels d'invocation n'existent que sous forme naturelle. J'hyperventile. J'aimerais vous demander de m'aider à mener une expérience sur le sujet. Tout à fait. Vous devrez utiliser le simulateur de combat. Tout à fait. Et vaincre une créature reproduite avec des données dans l'arène virtuelle. Tout à fait. Je détecte chez vous une interrogation quant à l'idée de combattre des données. Ouais, ça c'est clair par contre, oui. Un peu bizarre. Une nouvelle fonctionnalité est disponible grâce au rapport de combat, les missions VR, dans les recherches secrètes de Chadley. Oh, c'est Shiva en face! C'est tellement Shiva. Partager régulièrement des données vous donne parfois accès à des missions spéciales permettant de combattre contre des espères. Parlez à Chadley pour accéder à ces missions. Faites-moi oui, je veux. Quand vous serez prêt à tenter l'expérience. Il y a masse truc à faire. Voyons. Rapport de Fort. Shiva, yes, Terra, c'est Shiva de matériel. Shiva, je la veux. Utilise la compétence analysée, c'est fait. C'est fait. Bon ben, j'ai quasiment tout terminé en fait. Putain, mais j'en ai marre d'être fort comme ça. Cloud, merci pour votre coopération. On termine des trucs sans faire exprès. On est trop phare. Il en met du temps, papa. Ah, j'ai il est parti chercher des cigarettes, c'est ça de matéria. Il y a 2 ans. Alors. Vol. Permis d'utiliser voler. Ah oui, oh d'accord, je croyais le vol, je suis en train de dire. Comment ça? Provocation, ça c'est très bien ça. Garde renforcée, c'est très bien ça. J'en ai déjà plein, c'est pas grave. Mission VR, allez, on va combattre contre Shiva. Très bien, équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. Le futur. Oh yeah! Je serai sans pitié. Bon, de toute façon, déjà ce qu'on va faire. Analyser! Par sécurité. Aucune donnée stratégique à afficher. Elle aime pas le feu, c'est normal. Un espère de glace recréé en réalité virtuelle. Il prend. Oh putain, 17600 PV! D'accord. La forme d'une raide qui, jadis, avait utilisé ses pouvoirs de glace pour panser les plaies de la planète. Le le pergélisol que l'on trouve toujours de nos jours au poil en sont les vestiges. Pergélisol, je sais même pas ce que c'est. Je vous avoue. Bon, allez. Putain, ce qu'elle est belle! Ah, mais ça bouge quand même. D'accord. Sors. Extra feu dans ta gueule. Alors. On fait moins la maline, hein. Enflamme-toi.
je la bourre pas qu'un peu. Tu vas me dire, mais Goldor, ta vie. Ouais, on s'en branle. Ok, on s'en branle peut-être pas tant que ça. Ah merde. Allez, boum. On est riche. Olé. Ça va chauffer. Tu es en état de choc. Roule. Mange-toi ça. On a l'invocation qui se prépare. Pas grave. Oh lui, j'avais esquivé, monsieur le juge. Invocation. Chakamon. Défoule-toi. Allez, let's go. Il faut que je me soigne. Parce que je suis dans la merde. Ça devrait suffire. Voilà, chargez-la. Mettez-lui ce qu'elle mérite. Ça va faire mal. Je vais me surpasser. Aïe aïe. Putain, ce que j'ai pris. Trop tard pour les regrets. C'est pas fini. Faisons autrement. Poussière de diamant. Par la poussière de diamant. Ça me rappelle... C'est son ulti, ça. J'étais en protection. Oh oui, claque. Des doigts, vas-y. Oh non, elle souffle. Dommage. Je suis mort. Il faut que je tienne le coup. Je suis incapable de... Mais putain. Ok. On va la refaire. On va invoquer... Auriez-vous rencontré quelque... Problème imprévu ? Mais non, mais chut. J'espère que vous tenterez de nouveau... J'espère... Ah mais putain, arrêtez avec vos animations, je veux juste rentrer dans le menu pour changer la batterie de... Voilà. Batterie. Ifrit. Oui. On y retourne. Je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable, oui, s'il oui, vous oui. plaît. You're gonna pay for this. Ça va pas être la même cette fois-ci. Let's go! Non. Enflamme-toi! Je serai sans pitié. Regarde ça. Vas-y. Tu vas cramer. Faut pas que je non. dorme. Oh, mais ça endort en plus. Non bah, mais mille quoi. Je suis encore debout. Je dois me concentrer. Non. Enflamme-toi.
C'est le moment d'en finir. Ça devrait suffire. Tiens. Roule. Ça enlève un sacré morceau de vie, mais... Putain, ce qu'elle est tanky. Pas grave. Donc sa barrière de glace, elle fait quoi, là? Vague de glace, vas-y, ouais. Je peux pas lutter. Non mais, sérieux? Ah oui, à ce moment-là? Allez, tu vas passer un bon moment. Amuse-toi bien. Tu vas lui faire du bien, Ifrit. Au cas où d'ailleurs. Parce que je sais pas si ça l'a compté. Ok. Ça fait mal ça. Ça va chauffer. Très bien. Allez, bravo du soldat. On va charger les ATB pour qu'ils fritent derrière. Faisons autrement. Balance la totale. Éruption de flamme. 1700. Faudrait que j'arrive à la passer en choc. Enflamme-toi. Elle est pas passée en choc. Ah, je vais prendre cher, je vais prendre cher. J'ai 1300, ça passe ou pas? Ifrit, il va la tabasser après, hein. Ah. Je vais me lâcher. Bon, on se reprend. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, Ifrit. Do it. Il va lui mettre ultra cher, elle va passer en choc et derrière je fais ma transcendance. Allez, boum. Je t'en vaudrais ça. Ah bah c'est bon, elle est morte. C'était couru d'avance. Oh, la musique. C'est formidable. La matéria de Shiva est achevée grâce à vous. Évidemment. Cette matéria d'invocation est pour vous. Prenez-la. Merci. Le froid sourire de la Reine des Glaces est parfait pour vous, selon moi. Gardez-la précieusement avec vous jusqu'au jour où la Shinra sera vaincue. Ouais. Impec. Nice. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oui. D'ailleurs, en parlant de rapports de combat, on en est où là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Abattez 3 spécimens de variants. D'accord. J'aurai la matière enchaînement magique. Ben impeccable. Parfait. Eh bien écoutez, ladies and gentlemen, on va s'arrêter là pour cet épisode donc. On a bien avancé encore une fois, hein, surtout qu'on a récupéré Shiva, qui est mon invocation préférée après Bahamut. Oui, parce que Bahamut, évidemment, il est au-dessus de tout le monde, parce que Bahamut, tout simplement. Donc, eh bien, on se retrouve dans le prochain épisode, normalement dans 2 jours, hein, comme d'habitude. M'en voulez pas s'il y a des décalages, hein. Je vous l'ai déjà dit, je sais pas, voilà. Une santé de fer, et puis ça n'est pas comment dire, mon truc principal YouTube et tout, donc je le fais par plaisir surtout, et j'espère que ça vous fait aussi plaisir à vous, c'est avant tout aussi pour vous hein, que je fais ça en plus. Donc, si ça vous fait plaisir, tant mieux. Des bisous, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.